Alors, sergent, c'est qui le pansement? Laissez-moi vous présenter votre nouvel infirmier, le soldat Harold Keller. T'étais basé où avant, Keller? À Fort Campbell. Campbell? Putain, pas un autre bleu! Mon Dieu, sergent, vous espérez qu'on va se trimballer dans la jungle avec un putain de puceau comme infirmier? Bonjour à tous et à toutes, c'est Oliver Plasma et... Fireflav. Et on est parti pour la partie 3 de Conflict... Vietnam. C'est parti. Et en facile, cette fois-ci. Alors voilà, nous reprenons la partie au niveau du temple Maya. Parce que nous sommes des Kikimou. Tout simplement. Tu veux dire Kikimou? On est un peu des petits joueurs. Oui, voilà. Ça arrive. Face à des jeux de merde comme ça, on n'a pas le choix. Voilà. C'est trop bordélique, et ça sera trop long pour un let's play. Là, on sauvegarde, et on peut reprendre. Voilà. Le temple est vraiment très, très compliqué. Là, je sais qu'il y a... C'est pour ça qu'on sauvegarde juste avant. Je sais qu'il y a un vieux con qui va venir. Un vieux con. Ah non. Ah non. Il y a moins de vieilles cons, hein, j'ai l'impression. Ouais, ils nous ont pas repérés, c'est pour ça. Je pense qu'on va faire la même tactique que tout à l'heure, on va laisser un soldat. Non. Ah, il y en a un qui nous a vu. Faut le tuer. Bon, ouais, c'est parti. On attaque en masse, là? Ouais. Le truc important aussi, Fireflav, c'est de baisser le son. Ne faites pas ça! Et j'y ai pas pensé! L'ambiance sera moins bonne! Non, mais c'est que. Sinon, on aura un écho! Ah oui! Entre le son que fait le game capture, plus. Bon, allez, on attend encore masse parce que. Plus le son du micro. Allez, on avance! Soldats! En formation! En formation! Donc Junior a perdu beaucoup de vie, c'est vrai. Ouais. Il n'est pas en forme, Junior. Non. C'est celui qui appelle le plus souvent de puceau à la chérie. Je lui ai pas donné sa banane, ce chérie. Bon, il veut pas mourir. Ça, c'est une bonne planque pour éviter de ça. On va quand même mettre un... là-bas. Il y en a qui arrivent par derrière. On va quand même mettre un peu plus fort parce qu'il faut quand même écouter ces magnifiques dialogues. Merci. Le vieil Kong. Eh mais ça passe hein, en facile hein, franchement. C'est complètement différent. Ils ont la tourelle et c'est chiant à détruire. Attention, t'es presque mort. Non, c'est Junior. Et Junior, oui. Il s'est rechargé tout seul, Junior. Je suis fier de lui. Et en hélicoptère. Il a rechargé tout seul. Hein. Il est obligé de recharger au bout d'un moment. Eh hein. Hey, mais il y en a qui arrivent de derrière aussi, c'est maintenant. Mais les Viet Cong là. C'est bon? Ouais. Rassemblez votre groupe près de la grenade fumigène rouge. C'est ça là? Non? Ah non, ouais. C'est là-bas. Là-bas. Quelle intelligence. Oh, quel gros travail d'équipe. Ah, ça, c'est-à-dire que c'est la fin de la mission? Oui! Nous avons réussi! Bon, bah, la vidéo a terminé. 4 minutes de vidéo, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. 4 minutes de la vidéo chez. La chaîne Oliver Flash, c'est incroyable. Voilà. On risque d'avoir beaucoup de vues parce que une vidéo courte, c'est surtout beaucoup moins d'ennuis pour nos téléspectateurs. Alors, changer de spécialité. C'est que tireur d'élite, fusil d'assaut,
Voilà, c'est magnifique. Un peu de RPG quand même. Ah, c'est mon soldat, c'est moi qui décide. Ok. J'aimerais bien que mon soldat devienne médecin. Et une grande lance roquette. Pour lancer des grosses patates. Voilà. Encore. On peut plus. Ah, ok. Le mien. Eh bien, moi, j'aimerais bien prendre grenade parce que j'en utilise jamais, mais. Fusil d'assaut, allez. Le classique. Médecine, ce serait bien. Non ? Allez, c'est le maximum, peut-être. Ah non, c'est que faut 80 points. Ou fusil d'assaut. Ouais, il est déjà pas mal en fusil d'assaut. Ouais, ouais bah, les voilà. Tirs des vies. Tu peux pas l'augmenter ? Si. Voilà. Voilà, les deux. Oui, parce que petite plus... séance d'RPG. Parce que le petit bleu, il évolue plus vite. Sauvegarde. On a quand même réussi cette mission. Bon, en facile, mais quand même. C'est incroyable. Oui, mais je pense qu'on aurait pu l'arriver à vaincre cette mission en moyen. On y était presque en moyen, en fait. Ouais. Et bon, en moyen, c'est tellement n'importe nawak. Mais les Vietcong venaient de derrière aussi, ils sont apparus derrière nous. La démocratie du Vietnam implore les soldats américains de ne pas prendre part à cette guerre injuste. Vous devez vous demander ce que vous faites ici à vous faire mutiler ou tuer aussi loin de chez vous. Ouvrez les yeux, Gialjo, voyez la vérité. Vous ne trouverez que la mort dans les jungles. Yo, t'as fait quoi, vous autres? Écoutez-moi, bordel! J'en ai ras le cul de cette pute! C'est déjà assez moche de devoir rester dans ce trou pourri pendant que tout le monde s'en va en l'air et se bourre la gueule! Tu vas en plus me forcer à l'écouter? Je sais pas, mec! À sa voix, ça doit être une mamassane bien chaude! Je suis sûr qu'elle a de longs cheveux noirs! T'es malade, mec! Avoir la trique à écouter à Hanoi Anna! Écoute, cutéreux! Je suis pas malade! T'es juste besoin de baiser! Hé, t'en veux un peu petit? Non, ça ira! À vos postes! Toutes les unités à leur poste! Qu'est-ce que. Moins rigoler. C'est parti. Allons baiser des Vietcong. Oui. Dans un autre sens, bien sûr. Oui, bien sûr. Voilà, le chargement, toujours aussi charismatique, ce temps de chargement tellement beau. Ouais. Et vous pouvez voir que c'est pas les images du jeu. En tout cas, non. C'est les images du jeu, on va dire, vraiment très bien lissées. En images de synthèse. J'ai remarqué que les images de synthèse, finalement, c'est un peu les images du jeu, mais un peu plus long. Sans énergie. Bon. Bon, on est parti. C'est parti. Ah, et ils nous mettent deux bases en offensive. C'est la même vue que pendant l'entraînement, ça. Oui. C'est dans les tranchées. J'aimerais bien avoir Chirac. Merde, putain, je suis con, je lançais des grenades, j'avais des grenades. Je vais monter. Oh voilà, j'avais envie de faire le petit moment Rambo. Mais ils sont. C'est quand même bien qu'on descende. Je crois qu'il faut défendre les tranchées là. Attention. Ah, mais ils lancent des je sais pas quoi là, ils ont des obus moitié. C'est bizarre. Ah, et comme dans Medal of Honor Bataille du Pacifique. Bien sûr. Vas-y, Charlie, là! Les Vietcong sont des créatures étranges. Je suis Charlie, bordel! Je suis Nice. Et je suis... Puccio. Je suis... Junior. Je suis... Ragman. Je suis... Os. Même s'ils sont pas encore morts, je préfère le dire. Merde, je fais canarder derrière, je crois. Enfoiré en hausse! Oh, les trousses de soins par terre. C'est parfait, c'est très propre. Alors, on se met des pansements boueux sur les jambes pour que ce soit nickel. Comme ça, ça stoppe l'hémorragie. Hein, parce que c'est la magie hein, dans les jeux de guerre. Pas besoin de tout un kit de soins. Attention. Et je me fais encore canarder derrière. En fait, il passe en courant. Bah, moi je vais. Je couvre tes arrières, Firefly. Objectif principal à couvrir. Bon, bah voilà.
ça sert à rien de les trucs. Oh, la première machine de guerre. Ouais, c'est que ce moment. Repli sur le complexe intérieur. Le complexe sportif. Oh, pas de gymnastique. Merde, on se lag. L'explosion, ouais, elle est... ouais, mon Dieu. L'explosion elle est super mal faite, mais ça fait laguer la PS2. Merde. Mais il crève ou pas lui? Ah, il avait quoi? Il a dit arrête de me plomber, espèce de con. Merde. Mais il est où ton complexe de merde? Il est à l'intérieur. Intérieur de quoi? De mon cul? En effet. Oh, le feu, comme il est trop bien fait. Quoi? C'est vrai? Non, je rigole. C'est de l'ironie comme d'habitude. C'est de l'ironie comme d'habitude. C'est pas par là? Bah oui, ça doit être par là, vu qu'il y a des couilles pour me bloquer. Les JPEG en 2D. Enfin, c'est quand même mieux fait que dans Rayman 2. Hein, pour aller le feu. Attention. Merde. Oh non, non, je veux pas. Je veux pas mourir. Moi, je suis mort. Merde. Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Et bah, plus qu'à contrôler Oz. Voilà. Surtout que Oz, il est paumé, il est là. Putain, mais il y en a partout des machins jaunes là. Oh. Quoi? Un char? What the ouais, fuck? C'est à nous, non? Non, non, il me vise. Ah, je ouais, cours, je pense qu'il va faire la grenade là. Il bouge pas en plus. Attends, j'aurais vous. Il me voit au travers, je crois. C'est n'importe quoi. Il me vise quand je suis derrière les tranchées quand même. Ouais, ça leur fait rien. Je suis dans les tranchées. En fait, ça me fait plus de mal à moi. Oh putain. Voilà. Là, il m'a tué. Il m'a tué mes deux en un coup. Ah. Putain, même en facile, c'est dur. Mais je veux pas changer. Faudrait que tu nous soignes, mec. Bon bah, adios amigos. Voilà. On s'est fait encercler, on n'a rien compris. Et voilà. Il y a quand même un char. Hein. Le premier char. Il n'y a pas niveau très facile ou débutant ou niveau puceau, tout simplement. Il n'y a pas. Niveau puceau, non. Bon, on pourra essayer une autre fois. On va pas déjà terminer à 12 tard. Minutes. Oui, mais il se fait tard. On va essayer une autre fois et puis... À 20 minutes. Oui. Voilà. Je suis fatigué. Et 23h13 pour tout vous dire. Je viens de recharger mon fire. C'est normal. Allez. Merde. Vous venez d'être ravitaillé. Bon, ça sale con. Pourquoi vous prenez pas la mitrailleuse? La tourelle. C'est ça. Je l'ai prise. Ah oui. Mais si tu la prends, je peux pas la prendre. Prends-la. Parce que moi je vais tuer ceux qui sont derrière là. Ouais, la vue mitraillette elle est géniale. Hein. Qu'on voit, non, hein. Et tu peux mettre en. Ah, voilà. Enfin, tu vois aussi rien. Ouais. Il est énorme ce jeu. Oh, l'explosion! En fait, c'est quand on voit un pixel bouger qu'il faut tirer. C'est ça. Attends, je vais quand même me soigner. Je pense que c'est illimité ça. Merde, mais Oz, qu'est-ce qu'il branle? Pourquoi il est mort? Il est où? Putain, il est où Oz? Il s'est fait Oz. Mais t'es pas mort! Lève-toi! Malheureusement, t'es pas mort. Tu dois encore vivre dans cet enfer. Pourquoi, chef? Bonne nuit, Charlie. Mais oui, ce jeu... A de l'humour. A de l'humour. Il prédit l'avenir aussi. C'est fort passionnant. C'est quand que la mission est terminée? Des fois, faut sortir de la truc. Non, non, c'est pas terminé.
C'est qu'il en reste un qui se cache, voilà. Ah oui. Ah, il est mort. Hein. Oh, faut... il y en a encore un. Non, mais ils viennent à la chaîne, en fait, c'est scripté. C'est oui, scripté. Au bout d'un moment, il y en a plus. Et ça te dit, mission accomplie. Tu dois avancer. Ouais, tout à l'heure, il en restait, ils ont lié objectif. Ah. C'est un jeu étrange, c'est pour ça. Objectif accompli, même s'il reste un mec, tu t'en fous. T'en as déjà tué pas mal. T'as eu le quota. Bon, attends, je te soigne parce que là, t'es presque mort. Ah oui, je suis chéri. Mais... c'est un peu redondant. Un petit peu. C'est toujours les mêmes, en plus. Pas beaucoup, hein. C'est bien sympathique. Ils ont toutes la même, le même chemin de... ouais. La même traversée. C'est... le script de... le script de Call of Duty. Tout à fait. Call of Duty. Oh, merde. Quoi? Ok, t'es... ah putain, et l'objectif est juste accompli quand on est deux... alors, en fait, quand tu crèves, c'est accompli. C'est, ah, c'est scripté aussi. Ah ouais, il y a le char qui arrive. Je comprends. C'est pas bien. Ah ouais. Allez, deux. Est-ce qu'on peut sauvegarder? Vas-y. Venez. Retournons dans le bled. Y'a un char, venez. Oui. Vous voulez vous faire exploser par le char? C'est quand même fou, les Vietcong ils ont des chars alors que les Américains ils en ont pas. Ouais, c'est un peu con. Ah mais c'est normal, ils sont armés par les Russes, les Vietcong. Sont sponsorisés par les Russes. Sponsorisés. Petit cours d'histoire. C'est pas trop le mot voulu, mais c'est pas là. Oula, l'hélicoptère qui a explosé. C'est l'hélicoptère qui explose en fait. Je pense qu'il va falloir être intelligent. Je vais attendre le chien. Est-ce qu'il est pas mort lui? Ah non. Il vient de là de façon. Je l'ai encore touché ce con. Il m'a encore dit arrête de me plomber. On y va! Allez, on y va! Il a un peu la voix de puceau. La voix de comment il s'appelle? La chérie. Chérie Birkin. Allez, soigne-toi. Voilà. Oh. Merde, mais je voulais pas changer de bonhomme. Merde. Je pense que le chien va pas tarder. Là, il faudra balancer les grenades. Et se mettre à couler. Je gère! Oh yes, une trousse de soins, oui! Ah non, c'est des munitions. Fail. Je pense que c'est le moment d'attendre le chien. Faut que tu le dégommes avec moi. Ah oui! Trousse de soins, super. Putain, mais il y a 10 000 trucs là. Pansement de campagne. Oh les bouseux. Non, c'est campagne militaire, je pense. C'est bien. Ouais. J'espère. Pansement de ville. Oula. C'est pas des bombes qui tombent, ça? C'est des bruitages. En fait, c'est un mec qui siffle. Et c'est quand qu'il arrive, ce putain de chien? Ah bah c'est lui, c'est ça. Ah oui. Ok. Ouais, je me casse. Je viens de tuer 4 Vietcong d'un coup. Ils m'ont presque pas touché. Y'a le char. Oh, pousse-toi. Encore des munitions. Mais y a pas de lance-roquette là? Ça aurait été bien un lance-roquette. Oh putain. Mais pourquoi tu te fais le char là? Est-ce qu'il faut l'exploser ce machin là, non? Il faut pas plutôt s'enfuir ici parce que. C'est soit on peut pas l'exploser. Et voilà. Voilà. Oh, ouais. Oh là là, on va perdre. Là, l'IA est quand même intelligente, il m'a vu à travers le trou. C'est vrai, ouais, c'est pas mal. Et la physique est pas mal. Parce qu'on est mort à travers le trou. C'est magnifique. Ils font des abdos. Ouais. Il y a nos potes qui font un peu rien quoi.
Et il tire dans le mur. Et il y en a en haut qui court. Oh, s'il est pas perdu. C'est que tu le ramènes avec toi. Faites pas trop d'efforts, les gars. Échec de l'objectif bonus. Ouais, bonus. C'était peut-être l'esprit des chats. J'ai eu peur, j'ai cru que ton bonhomme était mort. Il arrive au milieu de tout mourir. Dépêche-toi. Tu me stresses là. Attends, je vais me soigner quand même un coup. Non. Merde. Ouais, mais attends. Je crois que dans Desert Storm, tu pouvais les détruire les chars avec les grenades, je suis pas sûr. Au bout d'un endroit. Au bout de je sais pas combien de grenades. 20 grenades. Je me fais canarder à mort. Allez, j'arrive. Je suis pas un merdeux. Je suis un vaillant combattant. Puissant. Je suis. Allez, brouille-toi, brouille-toi. Le bleu. Mais non, mais on n'est pas là. Là, c'est un truc paumé. Mais si, parce que ça me dit que la boussole, c'est pas. Ah, oui. Rien. Tu suis le GPS et t'es tranquille. Et là, il y a un chat. Salut. Non, tu. Faut pas que tu sois agressif avec le chat. Sois pacifiste avec ce chat. Grenade à manche. Non. Attends, est-ce qu'on a des C4 ? Des trucs à poser là ? Non, y a pas. Ouais, va me soigner et après tu verras ta merde. Hey, Junior, il va crever là et Chéri aussi. Dépêche-toi ! Bah non, tu ne fais pas garder. Merci. Brouille. C'est bizarre, il me tire pas dessus. Ah, il nous a enfoncé. Non, bon, bah on se casse. Je comprends rien, ce char. Il est avec nous ou pas? Bah non. Oh putain. Merde. Oh non. L'IA est exceptionnelle. Je la trouve exceptionnelle aussi. Hein. C'est fou. Quelle profondeur, quelle intelligence. C'est même pas artificiel, c'est vraiment une intelligence humaine. On a vraiment l'impression de jouer contre un vrai mec qui joue avec sa manette là. On joue en ligne là. J'en ai les couilles qui frémissent, c'est beau. Par contre, faut nous soigner maintenant. Et c'est dommage pour nous que l'IA soit aussi bonne. Prends des risques. J'aime bien quand l'IA est bonne. Ça en prend plus de plaisir. Oh. Maintenant, on est mort. Mais c'est quoi cette. Voilà. Donc, prochaine fois, Firefly sort d'ici, ne va pas ici. D'accord. Tu sors directement. Voilà, c'est la fin de la troisième. C'est pas tant pour la prochaine partie parce que c'est vraiment exceptionnel ce jeu. Ouais, je crois en fait que je vais continuer seul. C'était le petit bonus Firefly. Oh non, allez. On continue ensemble, Firefly. Monsieur Bouh, comme on l'a fait pour Silent Hill. Oui, c'était une autre expérience. En fait, Silent Hill était facile, mais on se compliquait la vie dans Silent Hill. Alors que là, il est très difficile et on se complique aussi la vie en venant vers le chat. Voilà. À l'armoyure. Pour de nouvelles aventures. Dans Conflict Vietnam. La partie 4. Putain, dégage de là!